Ok les gars, on est reparti. Resalut les mecs, resalut les beaux gosses. J'ai relancé l'internet. Voilà, mais même Twitch, on sent que Twitch il est instable. Hein. On sent que Twitch c'est pas comme d'habitude. Alors on va attendre. Voilà, re les gars, re. J'espère que ça va marcher. Voilà. 64 à patienter, c'est beau. Ah, vous étiez déjà 64 les mecs. Bon bah attends, on va attendre un peu que vous reveniez. Non, ça va marcher Greg, mais là franchement, les gars, s'il y a d'autres coupures, ça vient de Twitch. Hein. Là, ça vient de Twitch parce que moi, bon, à ce temps-là, l'internet, ça va, hein, globalement. Salut Onimusha. Va au marché acheter un kilo d'internet, tu parles. Si ça pouvait être aussi simple, crois-toi. Re mon Seb. Voilà, alors. Toc. Voilà. Salut moi Harold. Comment que tu vas moi Harold? Salut moi Alf, salut moi Alf, voilà. C'est bon les gars, on va y arriver. C'est Paul Carmouze, le stream marche hors antenne, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais bon, ça va le faire, hein, vous inquiétez pas. Il y a du sable dans la box, même pas. Remoi, ouais. Remontitouille, re les gars. Voilà, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde revienne et puis on va y aller. T'aurais pas un meilleur débit avec une clé 4G? Si. Si, Nigel, mais le problème c'est que le... Le, comment dire, il est pas illimité le quand on a de la 4G. Donc avec un stream, ça peut partir, voilà, comme ça quoi. Donc quand tu streams ou tu uploads des vidéos, faut un internet illimité, hein, parce que sinon tu grilles tout. Hein. Tu grilles tout avec un 4G, ça irait mieux bien sûr. On pourrait même streamer en 1080 avec la meilleure qualité d'image possible sur Twitch quoi. Mais voilà, c'est pas illimité. Alors, j'adore ce live au calme, dans le silence. Ah, t'es tout seul, mon Nico. C'est bon de ton côté, Halloween, c'est cool, les gars. Salut, Galva. Re-salut, Limonet. Salut, mon JB. Il y a une tempête devant, ça a arraché l'antenne pour l'internet. Non, ça va, Alf. Non, ça va, franchement. Non, ça va, là. On l'a. Y a pas trop de vent, là. Salut, Tana. Alors, c'est bon, c'est revenu. Le stream a jubilé, c'est ça. Bon, allez. Est-ce qu'on se découvre ce petit jeu, les gars là? Alors, je vais redimensionner ma fenêtre. Salut, Phil Roby. Comment que ça va, les mecs? Allez. On va faire un petit tour dans les paramètres. Alors, volume, effet sonore, musique, interface. Ouais, ok. Touche dédiée pour s'accroupir, désactivée. Descendre avec la touche de saut, activée, ok. Mode caméra, mode plateforme. Change la manière dont la caméra suit les mouvements du joueur. Donc suivi fluide, suivi instantané, mode plateforme, bon. On va toucher à rien pour le moment. Français, vibration, machin, très bien. Allez, on est reparti. Alors, Harold, il sort après-demain. Il sort après-demain sur les consoles. Sur PC, il est déjà sorti. Et les consoles, il sort le 9, les gars. Voilà. Vous êtes combien, là? C'est marqué que c'est 16, là. Mais à mon avis, c'est pas actualisé encore. Alors, voyons voir ça, les gars. Ok, petit scénario. En français, jetez-la dans l'ancienne prison. Laissez-la pourrir avec tous les autres. Voilà, ok, très bien. Donc on incarne une petite nana. Et apparemment, c'est un jeu de plateforme pur et dur. Hein. Vraiment à la céleste. En pixel art. 43, 50. Ah, c'est bon les gars. Bon, bah ça va revenir. Voilà. Phil Roby, j'ai la 5G en illimité. Ouais, mais nous, on l'a pas ici. On a la 4G et la 5G, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas en illimité. Pas en illimité quoi. Ok, alors on est parti là. D'accord. Ah bah déjà, il y a un petit passage secret, on dirait. Alors, je dirige avec la croix. Voilà l'analogique aussi. Je saute avec le A. Le X ça saute. Y ça saute. B ça saute. Tous les boutons sautent, les gars. Non, c'est pas un Metroidvania, mon Greg. Apparemment, c'est un petit jeu de plateforme. Voilà, puis on peut faire un petit tour sur nous là. Hop, pour planer un petit peu. Alors. Voilà, X pour lui parler. Ok, très bien. Alors, Nijempo teste en lançant le jeu et en déconnectant la console du net. Ouais, ça marche pas. Alors, je peux pas déconnecter la Xbox One de l'internet. Parce que vu que le jeu il est en démat, j'aurais plus accès au jeu là. Voilà. Des fois, ouais, je fais des lives. Ma PS5 fait des putains de mises à jour. Ouais, je sais bien, ouais. Mais là, tu vois, je vais regarder. Y a pas de mise à jour et la série S elle est éteinte. Voilà. Salut, Gianni. Ouais, on dirait Link. Ouais, il ressemble à Link un peu. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah même le bouton A, tu vois, pour parler au mec. Le jeu n'est pas en 60 FPS, a priori. Ok. Très bien. Salut, Wario Yoshi.
Salut Benjamin! Comment que ça va les gars? Alors ça c'est un checkpoint, prison en ruine. Sinon donc le jeu il coûte 10 balles je crois les gars. Quand il va sortir sur console, après-demain il va coûter 10 balles je crois. Donc ça va, c'est un prix correct. Des maths hein, bien sûr, hein. Physique, je sais pas. Faudrait d'abord que le jeu se fasse une petite réputation pour avoir une sortie physique. On va essayer de ramasser tous les diamants. Voilà, ok. Oh là là, j'ai tombé. Ah, il y a un singe là. Quelque part dans cette prison, il y a un portail menant au monde souterrain. Très bien. Mon Ixian, comment il va, mon Ixian? La forme, ma poule. Alors. Julien, lol, j'étais resté sur l'ancienne page. Ah oui, il faut refresh, les gars. Ah, bah tiens. Il y a un autre petit passage secret, là. Ah, là, je passe pas. Ouais, elle veut pas descendre. Alors. Ouais, je pensais que le jeu était vérifié et quand il était lancé, c'est bon, ouais. Bah, en fait, sur Xbox, il faut, pour jouer à un jeu des maths, il faut être connecté sur internet. Enfin, normalement même, tu peux même le lancer sans, mais moi, vu que je fais le partage de compte avec Nono, là, tu vois, quand j'ai coupé l'internet, j'ai redémarré ma box, le jeu, il s'est coupé, je suis revenu à l'écran d'accueil de la Xbox, ouais, vous devez être branché en ligne, machin et tout, tu vois. Sur la route, point, mais au moins, c'est une occasion de suivre les streams. Ah, bah, c'est bon, voilà. Ah, merde, j'ai mouru, là. Ok, très bien. D'accord, on a le petit checkpoint. Bah ça te permet de faire la route, voilà, de t'occuper. C'est un mélange de Mario Zelda 2 NES. Ouais, bah attends, on va voir un peu, hein. Tu peux descendre à travers les plateformes. Pour moi, cela dit, je peux pas bouger. D'accord. Ok. Ok, très bien. Donc là, je descends, classique. Alors, bonne chance, je serai juste derrière toi. Ok, très bien. Tiens, l'autre, il a dit quoi, là, au fait? Voilà, ok. Attends, il dit quoi, lui? T'as regardé tes paramètres, tu peux choisir si tu préfères appuyer sur la touche de saut pour descendre ou simplement appuyer sur le bas. Personnellement, tout me va. C'est pas comme si je pouvais me déplacer de toute façon. Ouais, donc là, si je fais le bas, elle descend pas. Voilà, faut que j'appuie sur le bouton. Ça me va, comme ça, c'est bien. Salut, Kawa Juju. Ouais, il est... Ah merde, je te lisais, je suis mort, là. Il est déjà dispo sur Steam, hein, apparemment. Il est sorti sur Steam, là, il y a... Je crois que c'était en octobre, il me semble. Voilà, puis là, il arrive sur console, du coup. D'accord, alors on peut rebondir sur les murs. D'accord, ok. Salut Star Fox! Donc ça va les gars? Alors tiens, il y a un autre singe là. Ah non, c'est un clébard. Ouf, ouf, tu essayes de t'échapper. Ouais. Ouvre l'œil, j'ai des amis animaux qui ont besoin d'aide. Au fait, voilà une petite astuce. Contrairement aux gemmes, les animaux ne doivent pas être déposés à un point de contrôle. Il suffit de les sauver. Voilà, c'est tout. Tu sauves un animal, c'est réglé. Très bien. Ça a l'air sympa, faudrait peut-être quand même que je commence à justifier le prix de la série X, ouais. Ah bah c'est pas avec un jeu comme ça que tu vas... Enfin, amortir la puissance de ta série X. Évidemment. Alors attends. Oula, merde. Attends. Ouais, de toute façon, regardez, c'est du Die and Retry, les mecs. Hein. Voilà. Je voulais voir si... Alors attends. Je renifle qu'il y a un passage secret, là. Non. Non. Non, non, il y en a pas. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Allez, on va essayer de récupérer, bah voilà, les petites gemmes, là. Hop, se refaire une petite santé. Pour le moment, rien me chauffe sur PS5 et Series X. Ouais, ouais, non, mais... La génération, enfin, cette génération, elle est vraiment fadasse, hein. On va pas se mentir, les mecs, hein. Ok, il y a d'autres diamants là-haut, mais je peux pas aller... Je peux pas sauter plus haut. Ça pique déjà, hein, quand même, pour un premier niveau, ça pique, hein. Alors, pourtant c'est marqué 2021. Ah ouais? Bah là en tout cas sur console il va arriver. Hein. Certaines plateformes ne peuvent être traversées que dans une seule direction. Ouais d'accord, c'est ce que j'ai vu les flèches tout à l'heure. Voilà, ok. Ah oui d'accord, ok. Là il y a un passage, ouais. Voilà, là on passe pas. J'ai lancé 10 minutes à la Mec 2, c'est beau sur Series X, d'accord. Oh bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Et merde! Alors j'ai perdu tous les diamants. Ah oui d'accord, faut tout refaire. Ouais, il y avait le checkpoint à côté. Oh mais merde. Alors. Attends, on va se concentrer un peu là. Voilà, toc toc toc. Voilà. Bon, c'est joli. Graphiquement, je trouve ça pas... Je trouve ça... Le pixel art est plutôt sympa. Ces fadas, on nous vendait du rêve avec le SSD, ouais. Bah, disons qu'au niveau des temps de chargement, on voit une différence, hein, on va pas se mentir. Mais bon, d'un point de vue technique, bon, à part la 4K, moi la 4K, je m'en fous, j'en profite pas.
Oh putain, ouais, ça va un peu vite. Alors attends, on va essayer de récupérer les petits diamants là. Voilà, ouais, donc ouais, c'est quand même assez speed comme jeu. Hein. J'attendrai le Hulking Down, ouais, d'accord. Alors là, déjà, on a un choix de chemin. Soit on va en bas. Voilà. D'accord, ouais, donc ça. Ouais, faut faire gaffe à ces plateformes là. Voilà, ok. Ici, ça passe pas. Salut Ludo! Ça me fait penser à un jeu Flash. Ah non! Ah non, 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 là, on voit. Non, il y a le pixel art. Ah non, ça fait pas du tout jeu Flash, hein, non, non. Non, non, Grey, hein, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Namasté, Frangine, un petit conseil. Tu peux te téléporter à n'importe quel moment depuis ton menu. D'accord. Mais avant, n'oublie pas de déposer tes gemmes à un point de contrôle. Sinon, tu devras toutes les récupérer de nouveau. Ouais, je sais, c'est pas juste Frangine, mais c'est pas les gens comme nous qui font les règles. Voilà, ok, très bien. Alors, il paraît que Microsoft va porter Starfield, ouais. Il n'y a rien à faire, ils veulent encore plus de... Ouais, ouais. La PS5 m'a vendu. Ouais, ouais, bah c'est une rumeur, hein. Ils vont... Ils vont confirmer tout ça, Ils vont confirmer tout ça, là, la semaine prochaine. Mais bon, à mon avis, Facifil, il prend la parole, c'est que ça, il va le confirmer, quoi. Salut, petite pelle! Comment tu as, petite pelle? Bon, bah, il est bien sympa, ce petit jeu, pour le moment, mais attention, ça pique, hein. Ouais, d'accord, ok, d'accord, je dépose les gemmes, là. Ouais, ouais, d'accord, ok. Les gars, faut du skill, hein. Dès le début du jeu, là, il faut, D'accord, d'accord, ok, alors attends, ok, les zones jaunes, je peux pas rebondir dessus. Ok. Voilà, très bien. Salut, Nabetz. Graphiquement, il m'emballe pas trop, ouais. Bah, c'est du pixel art, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Et merde. C'est assez vif, hein. Mais moi, le scrolling, il m'emmerde, là. Le scrolling, il me fait un peu chier. D'accord, je pensais passer à travers le mur, là. On va essayer de récupérer les petites gemmes là, hop, hop. Bon, en tout cas, il y a plusieurs choix de chemin, on dirait. Très bien. J'aime bien, moi. Sur Switch, ça serait idéal, ouais. Ouais, il sort sur Switch, normalement. Hein. Alors, vas-y, on va lui parler, là. N'oublie pas, si une zone est trop difficile, tu peux toujours y revenir plus tard, d'accord. Essaye de repérer les hôtels afin de pouvoir t'y téléporter quand tu le souhaites. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc, est-ce que je peux... Alors, attends. Si j'appuie sur Star... Ah ouais, d'accord, donc il y a une petite map, regardez, les gars, là. Il y a une petite map. Dernier point de contrôle, aller à l'hôtel, vas-y, fort. Prison en ruine. Ouais, d'accord. Ok, voir la collection. Bon, on va continuer plus tard. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah là, j'ai ignoré le passage en bas à droite, là. Ah oui, faut pas traîner hein, sur les plantes, là. D'accord, bah là on change de... Ah bah ça y est, un nouvel hôtel. Entrée du bayou. Alors attends, faut voir si je fais start. Aller à l'hôtel. Voilà, d'accord, on peut se téléporter comme on veut apparemment. Ça c'est cool. Ouais, c'est de la plateforme pure apparemment, Nigel. Hein. Voilà, donc avis aux amateurs. Putain, les plantes, elles ont pas le temps. Hein. Ok, c'est bon, on a tout récupéré. Je sais pas ce que ça fait, petit diamant là. Ah d'accord, ouais, je peux les déposer au téléporteur. Alors. Ah bah si, Nigel, hein, c'est plateforme pure, hein, si. Sinon, change le mode de caméra. Ouais, c'est vrai, bien vu, Bruno, attends. Alors. Suivi fluide, vas-y, fort. Ouais, ça a l'air d'être mieux, là. Ça a l'air d'être mieux, fais voir l'autre, là. Alors, attends. Suivi instantané. Ah ouais, c'est mieux encore, ça. Ouais, comme ça, le personnage, il reste bien centré, là. Ok, et fais voir, on remet le... Voilà, mode plateforme. Ah ouais, non, non. Non, c'est chiant. Je vais peut-être mettre le deuxième, là. Mode suivi. Voilà, suivi fluide. Ouais, c'est pas mal, comme ça, là. C'est un peu bizarre qu'il nous propose de régler ça, mais bon. Au moins, on a le choix. Alors, comme ça, Xbox risque d'arrêter les consoles, j'ai entendu. Non, non, je pense pas. Non, non, ils vont amener leur exclu sur PS5, mais ils ont pas parlé d'arrêter les consoles, hein. Enfin, bon... Attendons la déclaration de Phil Spencer, hein, on sera fixé. Hein. Bon, alors. Ah oui, ça se joue mieux, là. Voilà, avec ce scrolling, c'est mieux, les gars. D'accord, ouais, bon, bah là, je peux pas y aller. Est-ce qu'on va débloquer des petits pouvoirs après, là? Ok. Alors. Ouais, d'accord, il y a des petits ennemis, là.
On va retourner à l'hôtel, on va déposer le pognon. Ah non, Nabets, non, j'ai pas essayé The Cube. J'aurais pu le prendre, hein, on me l'a proposé. On me l'a proposé, The Cube. C'est bien ou pas, là? Apparemment, j'ai vu que c'était une sorte de... De limbo, un peu. D'accord, je peux redéposer la thune ici, aussi, très bien. C'est cool. Oh putain, ouais, ouais, t'as, ouais. Alors. Samor, le gameplay a l'air pas mal, mais les graphismes sont quand même un peu simplistes. Ouais, bah c'est du pixel art. Ouais, un petit peu. Un petit peu 8-16 bits, hein. Oulala, oulala. Ah merde! D'accord, il y avait des pics ici. Ah d'accord, on va retomber par le haut là. Ouais, donc là, on peut faire une bonne moisson de diamants. Mais putain, eh, pourtant j'ai appuyé, hein. Mais faut vraiment. Ok, faut vraiment appuyer. Oula. Bon, ok, procédons. Non, il est pas dans le Game Pass, apparemment. Non, non. A priori, non. Oh, merde. Ouais, c'est vraiment du die and retry, hein. C'est vraiment de la plateforme, tu chopes les... Voilà, tu chopes les collectibles. Voilà, là, je suis passé, là. Ok, c'est bon, plus besoin de courir, là. Voilà, très bien, hop. Allez, 17 cristaux, enfin, cristaux de plus. C'est Esprit Célète avec l'exploration, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que là, il y a vraiment de l'exploration, faut voir la map, là. Voilà, d'accord, ouais, ok. On va continuer un petit peu, là. Ouais, il y a vraiment... C'est... Ouais, c'est vraiment... Ah là, ouais, je suis mort. D'accord, il y a un macaque là-bas. Là. Putain, c'est vraiment chaud, hein. Salut Flavio! À l'époque sur NES, il aurait cartonné, ouais. Bah là, c'est vraiment de la... De la pure plateforme. Et c'est vrai que comme on en avait parlé avec... Avec Upsilandre, il m'a dit des vraies plateformes. Des vrais jeux de plateforme pur et dur sur NES. C'est-à-dire sans action, vraiment que de la plateforme, il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce qu'on était en train de parler du Addams Family 2, là. Le Pugsley Avenger Hunt, là. Ah, merde. Et bah, lui, c'est vraiment du pur jeu de plateforme, ouais. Bah, apparemment, ouais, on ramasse des cristaux, après on va voir. Je sais pas, est-ce qu'il y a un petit scénario qui va se développer ou pas, on va voir. Ah, je suis mort. Bon, vas-y, on va zapper cette zone, là. Les gars, c'est violent, hein. Les gars, c'est violent, hein. Ça fait même pas un quart d'heure qu'on joue, là. C'est... Ouais, ouais, c'est chaud, hein. Ah, merde. Mais ça va, regardez, c'est pas punitif, hein. The Cube, très beau artistiquement, mais gameplay, franchement, moyen. Hein. Mon ressenti, un grim avec beaucoup moins d'inspiration et son ambiance. Ouais, mais j'ai vu que c'était une espèce de limbo, apparemment, mais j'ai regardé le trailer, ça m'a pas botté. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Fait que je rebondis sur les poissons, je pense, là. Il m'a pas botté, The Cube, donc je l'ai pas pris. Je l'ai pas demandé, ouais. Julien, ça, c'est pas pour moi. Bah, comme ça, les gars, vous êtes fixés. Hein, d'où le... Voilà, le but, hein. Ah, merde, c'était un poiscaille, là. D'accord. Bah, c'est l'intérêt de ces streams, hein, les gars. C'est marrant, la web personnage, ça me rappelle celui de Marvin Marvelous Adventure, un jeu de plateforme pur sur C32. Bah, en fait, Dixion, c'est vrai que... le jeu, il a un petit côté Amiga, hein. On va pas se mentir. Oh là, ouais, bah ouais, j'ai mal dosé là, parce que je croyais que c'était une plante là. Bon, alors du coup, attends, je vais changer de zone. On va retourner en bas là. Vu que j'ai le téléporte là avec le truc. Voilà, on va rechanger de zone. Voilà, je vais essayer d'aller voir ici. Parce que là, c'est vrai que ça se trouve, c'est une zone où je suis pas censé être. Series S, console collector dans 10 ans. Ouais, pas faux. Ah, passage secret là. Ok, d'accord. Ah, il y a un ennemi en bas. Ouais, d'accord, je m'en doutais un peu, mais comme ça, on est fixé. Alors, on va redéposer les petits diamants. Je viens d'acheter une super console M100 et émulateur à PS1. Ah ouais, bah c'est un Raspberry ça, Riyad là. C'est un équivalent Raspberry ça. Enfin, une console chinoise, un truc pirate quoi. La série S, c'est déjà du rétro gaming. C'est pas faux, Joypad! C'est pas faux. Ah, il y a un autre hôtel ici, là. On va essayer d'y aller, tranquille. Allez, impeccable. Un petit checkpoint. Oh, putain, ok. Bon, ça va. Eh. Ah, bah, ok, d'accord, on peut sauter sur les ennemis. Comme Mario. Bon, bah, ça, c'est bon à savoir.
Ruche des insectes. D'accord. En fait, c'est nous qui choisissons notre niveau, les gars. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Alors, je viens de finir Aladdin SNES. Je suis sur des cassés, que du bonheur. Bah oui, mais c'est des classiques, ça. Le Aladdin SNES, il est quand même très agréable à jouer. Hein. Bah, dans ton menu, tu peux voir le nombre de gemmes que t'as trouvé. C'est le nombre de gemmes qui reste dans chaque zone. D'accord. Ou quelque chose comme ça. Alors, menu. Retour, hein, aller à l'hôtel, voir la voir la collection. Ok. Ah ben voilà, prison en ruine 86, ouais. Bayou, d'accord. Donc il y a combien de zones? Ouais, il y a 8-9 zones, quoi. D'accord. Ok, alors elle, qu'est-ce qu'elle dit là? Alors, ça a l'air pas facile pour un début de jeu. Ah non, carrément pas. carrément pas, Herbert. Les ennemis réapparaissent quand tu actives un point de contrôle, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Alors attends, tiens, on va essayer avec la fourmi, là. Voilà, d'accord, on peut leur sauter dessus. D'accord. Bon, on va ramasser, hop, les petits diamants. Ah, 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 attends, est-ce que... Non. Ok, pas de passage, là. Bah, c'est pas mal, un petit jeu de plateforme pur, là, sans action, sans rien. Un petit peu à la Céleste. Moi, je dis pourquoi pas. Voilà, si l'objectif, c'est récolter tous les petits diamants, il y a de quoi faire, hein. Ouais, c'est là. On va aller redéposer les petits diamants, là. Voilà. On va jouer safe. Alors. Ouais, d'accord. Ouais, là, c'est compliqué. Je sais pas si on va gagner d'autres pouvoirs, genre un double saut, un truc comme ça. Parce que dans... Ah, help. Animal sauvé. Jonas le jackalope. Ok. Ok, il se barre, là. Ok, il s'est barré. D'accord. Alors, faut voir la map, là. Combien la console? Parce que ça met GPS3, faut un monstre PC, ouais, ouais. Oui, je crois aussi, ouais. D'accord, il y a la petite map, ici. Et puis, donc, les... ouais, d'accord, les zones, elles sont de différentes couleurs. Ok. C'est vrai qu'on dirait un jeunesse, hein. On dirait un jeunesse, le truc. Voilà, j'ai refait un petit checkpoint. Alors, voyons voir ici, là. D'accord. Ah, rechangement de zone. Alerte, les humains sont pas les bienvenus en cette usine. Attention à vous, Bebop. Ouais, ok, très bien. D'accord. Oula, ouais, d'accord. La question que je me pose du côté Microsoft, c'est pourquoi avoir autant d'argent pour acquérir des studios divers, hein, et potentiellement s'assurer des exclus pour ensuite les porter chez le concurrent hardware. Ok, ils vendront plus de jeux, mais dans ce cas, tu réfléchis, tel un éditeur de jeux, pas un constructeur de console, ouais. Ouais, mais je crois qu'ils, même eux, ils savent pas qui ils sont, Nico, hein, je crois que c'est ça le problème, hein. Donc j'attends vraiment d'attendre l'annonce Microsoft pour essayer de comprendre leur politique économique. Bah on verra bien ce que Philou va dire. Mais il a intérêt d'être persuasif. Ça fait un peu Metroidvania, ouais. Ouais bah ça fait un peu jeu d'aventure de la NES, hein. Parce que Metroidvania, on trouve des pouvoirs pour évoluer, hein. Ce qui là apparemment n'est pas le cas, ici. Bon, on va voir. Alors. J'étais cet après-midi sur Magician Lord, ouais. Quand je pense que Baby Guild One Life, ouais. Ouais, c'est du par cœur, hein. C'est du par cœur, mon Harold, hein. Quand tu le connais par cœur, tu le One Life, hein. Moi, j'ai fait pire, j'ai fait le boss rush de fin à poil. C'est pire que le faire en One Life. C'est pire que le faire le One Life, je te jure, hein. Le boss rush de fin à poil, c'est quasiment impossible, hein. C'est ultra hard, hein. Et merde. Ouais, faut bien doser les sauts, là. Alors. Voilà, donc faut prendre en compte la distance, là. Voilà, hop. Voilà. Ok, alors. Voilà, là par exemple il va vite. Ok, c'est bon, ouais, ouais, c'est, ouais. Oh là là, bah, oh là là, oh putain, d'où je suis pas mouru là. Alors, t'as vu mon Sylva? Comment que tu vas? Ouais, je galère, mais regarde un playthrough au pire, Harold. Tu regardes un playthrough, t'essayes de mémoriser un max de trucs. Et tu vas voir, tu vas évoluer. En fait, tu vas gagner du temps. Hein. Joue pas à l'ancienne, hein, te fais pas chier. Hein. Te fais pas chier, regarde un playthrough, puis facilite-toi la vie. Puis tu vas voir le One Life, tu vas le sortir. Alors, tiens, on peut passer là, apparemment. Ok, ok. Bon, alors. Voilà. Le playthrough, c'est ça? C'est ça, petite pelle, ouais. Ouais, non, là, on passe pas. Là, je passe pas, a priori.
Allez, d'accord, j'ai compris. Il faut que je rebondisse sur la petite fourmi, là. Mais vu qu'on la voit pas... C'est chaud, hein. Putain, la violence du bordel, là. Ok, dac, allez. Hop, voilà. Ouais, alors si le but, c'est tout explorer et faire du 100% au niveau des diamants, là. Là, les gars, il y a du boulot, hein. Alors, voilà, ok. Voilà, très bien. Ah, écoute, grave cher, 300 balles, ouais, c'est un mini PC. Ah, ok, d'accord, regarde, ouais. Ouais, c'est un petit PC gaming prêt à l'emploi, quoi. Ok, alors. Voilà. On va essayer de tout récupérer. Parce que je pense que le but du jeu, c'est ça, hein, récupérer un max de diamants. Bon, bah, ça va. En fait, on fait l'évolution du jeu par le level design, en fait. Voilà, c'est la difficulté du level design qui t'indique où aller, en fait. Ok, alors. Ouais, d'accord. Alors. Ok, alors attends, on va essayer de récupérer ces petits diamants, là. Ouais, voilà, c'est bon, là. Hop, voilà, allez, on va passer. Hop. Voilà, très bien. C'est quand même con, hein, je veux dire, tu joues avec un seul bouton. Tu sautes et puis tu virevoltes. Voilà, c'est tout. Et les gars, ils vont faire tout un jeu comme ça. Bah, pourquoi pas. Je pense que les exclusivités arrivent à leurs dernières heures, à mon avis. Et qu'il n'y aura plus dans l'avenir. Ouais. Tout se fera dans le cloud, ouais. Bah, après, enfin, les gars, enfin, Star Fox, là. Les gars, après, on n'aura que des abonnements, hein. C'est comme Disney Plus et tout le bordel, hein. Après, on jouera plus comme ça, les mecs, hein. Les consoles, ça va disparaître, hein. T'achèteras une manette et point barre, hein. T'achèteras une manette et puis donc t'auras l'abonnement Xbox avec le Game Pass. Nintendo, ils feront la même chose. Quoique Nintendo, bon, ils ont des problèmes de serveur, mais je pense qu'ils vont faire un deal avec Microsoft. Sony, c'est pareil, niveau serveur, ça va y être compliqué. Hop. Mais ça va finir comme ça, les gars, hein, je veux dire. Moi, à mon avis, dans un délai de 5 à 10 ans, on y est, hein. C'est-à-dire quand tout le monde civilisé sera à la fibre. Genre nous, tu sais, des pays comme nous, on en a rien à foutre après de nous, hein. Parce que nous, on rapporte rien, au contraire, on pirate, alors, hein. Si même ces gens-là, ils peuvent nous sortir de l'équation, ils vont pas se gêner à le faire, hein. Salut Warony. Alors. Bon, mon Nico. Ou alors, tu vas vers quoi tu voulais aller au début, ouais, le tout des maths, ouais. Et c'est donc juste du service, ouais, ouais. Mais c'est ça, hein, Nico, hein. Voilà. Pas sûr que Nintendo et Sony l'acceptent, ouais. Bah, écoute. Les gars, tant que Nintendo et Sony, ils vont vendre des consoles, des jeux et des jeux physiques, bah, ils seront pas prêts, ils seront pas forcément pressés de se mettre à ce modèle économique. Voilà. Alors. Ou alors, Internet se casse la tronche, ouais. Bah, Benjamin, si l'Internet se casse la gueule, c'est le monde entier qui se casse la gueule, hein. Ah, merde. Ok, bon, alors, attends. J'ai aucun abou, même pas vidéo, j'en prendrai jamais, ouais. Bah là, Star Fox, tu seras du coup contraint à jouer avec ce que t'as déjà, en fait. Mais je sais qu'il y en a plein qui vont le faire, hein. Il y en a plein qui supporteront pas d'avoir des abonnements et qui profiteront peut-être enfin des jeux qu'ils auront achetés. Ce qui est peut-être un mal dans le bien, hein. Enfin, un bien dans le mal, plutôt. Alors... Moi, tant qu'on peut faire des partages de comptes, des trucs comme ça, puis qu'on peut un peu limiter le coût des abonnements, moi, je dis pourquoi pas, tu vois. Mais après, franchement, si ça devient trop cher, fuck, hein. Franchement, fuck, hein. Et puis surtout, la multiplication des services, quoi. Parce que là, on voit, par exemple, t'as Netflix, t'as Disney+, t'as, je crois, il y a le Apple machin, t'as le HBO Max, enfin, c'est... En fait, si tu veux tout regarder légal aujourd'hui, ça te coûte la peau des couilles, hein. Ça te coûte la peau des couilles, les mecs, hein. Bon, alors là, voilà, il faut speeder. Ouais, c'est bon, je suis passé là. Ok, 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 ok. Ok, allez, un autre hôtel là, bam, c'est cool. C'est bien suffisant. Pendant que les gens jouent à Starfield, moi je suis sur Morrowind et Crysis. Ouais, ouais, bah déjà, ouais. Voilà, t'as de quoi faire. Alors la map, fais voir la map là. D'accord, je peux revenir à gauche là-bas là. Ok. Et apparemment, tout le jeu c'est ça, les gars. Hein. Donc là, on aurait déjà exploré presque un tiers, hein. Mais voilà, la taille du jeu, c'est pas ce qui va faire le jeu. C'est vraiment...
Ça va être vraiment collecté tout le bordel, hein. Bon, alors attends, oui, il faut que je réactive le truc là. Voilà, faire réapparaître la petite fourmi là. Voilà. Voilà, on va reprendre tout ça. Pour les intéressés, le PS Store Another World est à 2 balles. Oh, bah ça va alors. Salut Descartes, comment tu vas? Bon, bah en tout cas, il est bien sympa ce petit jeu, les gars. Enfin, pour. Voilà, faut vraiment être un. Merde. Faut vraiment être un adepte et un amateur de jeux de plateforme. Mais pour ceux qui aiment vraiment le. Les jeux de plateforme pur et dur. Ouais, putain, mais attends. Ouais, d'accord, j'ai compris, faut que je me stabilise avec ma robe. Là. Bah là, du coup, ça peut le faire. Hein. Ce jeu-là, il peut le faire. Ouh là là, ok. Ok, c'est fait. Alors, attends. Aller à l'hôtel. Alors, attends. Ouais, voilà, canyon. Voilà, c'est ça. Mais je crois que je vais perdre des diamants, là. Les gemmes détenues. Ah, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde, là-bas? Bah si, oui, il y a le petit checkpoint, là. On va, je vais y retourner, voilà, comme ça. Les petits diamants que j'ai récupérés, hop, voilà. Alors, ben moi je suis bon client de ce genre de jeu. Bah là ça sort après-demain sur console, mon Ixion là. Ça existe déjà sur PC, hein. Sur console ça sort le 9. Ça coûte 10 balles je crois les gars. Bon je crois franchement, enfin, pour celui qui veut faire vraiment le 100%, je crois qu'il y a, vraiment du challenge les mecs, hein. Je crois que là il y a vraiment du challenge, hein, on va pas se mentir. Ouais, et puis là du coup je peux me téléporter comme je veux, donc ça c'est cool. On va essayer, voilà. Pas de chargement, très bien. Salut mon Olive. Ouais, on jubile là. On jubile, c'est chaud quand même, hein. Alors attends, hop, je vais revalider ça. Voilà. Ouais, je pense, je sais pas, est-ce qu'il y a un petit scénario? Comment que ça se passe, je sais pas. Alors, ok, ok. Ah oui, il y en a deux là, d'accord. Alors. Ok, d'accord. En tout cas, c'est sympa, graphiquement j'aime bien. Voilà, c'est du beau petit pixel art, c'est pas prétentieux. La jouabilité est bonne. Voilà, le gameplay il se fait bien, il se maîtrise bien. Oh merde, j'ai tout perdu là, putain. Salut mon Kada, comment tu vas mon Kada? Alors j'en suis à 300 heures, même pas la moitié car j'ai extension sur PC. Ouais. Tu parles de quoi Star Fox là, de Morrowind là? Alors... J'ai jamais connecté ma PS4, faudrait peut-être que j'évolue un peu, ouais. Bah, pour faire, ouais, l'archer, pour faire les mises à jour. Faire les mises à jour, quoi. Alors, mon Fixo! Comment il va, mon Fixo? Alors, j'ai vu même un jeu avec Dracula en rouge, ouais. Il m'a l'air d'être bien sur PS3, ouais. Ouais, ça me dit rien, ça. Mon Oli, ouais, c'est beau, et le gameplay est aérien, ouais. Ah bah là, c'est du pur plateforme, hein. C'est un peu comme Céleste, hein. C'est un peu comme Céleste, les gars, hein. C'est... Voilà, c'est confirmé. D'accord, ok. Alors, peut-être aller à gauche, là-bas, là. Essayer de trouver un petit checkpoint. Voilà, se débarrasser des petits diamants, des petites gemmes. Voilà, genre ici, là. Ok, voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, oh, putain, on a un hôtel. Alors, attends. Oh, merde, voilà, ok. Bon, il y a un hôtel, là-bas. D'accord, on va y aller et on va essayer de récupérer les petits diamants après là. Voilà, puis on reviendra éventuellement. Là. Ok. Ouais, Morrowind, je suis tellement fan, ouais, j'ai encadré ma carte comme. Oh, mais t'as raison, ouais. Oh, mais Morrowind, je sais pas, c'est. Je sais pas combien j'ai d'heures là-dessus aussi. Là. J'ai fait je sais pas combien de personnages. J'ai fini le jeu je sais pas combien de fois. Avec toutes les quêtes et tout. C'est tu veux jamais en sortir. Alors, ok, checkpoint. Alors, camp de base. Ah ah, est-ce que ça serait pas un petit hub ça? J'ai rien pour toi. Très bien, ok. Alors. Voilà, fais voir. Alors attends, on va essayer de récupérer ces petits diamants. Voilà. Bon, puis l'animation de la petite nana, c'est plutôt bien fait. Après, je me tape Oblivion, ouais. Il est moins bien Oblivion, mais ça reste cool. Hein. Salut Yann, comment tu vas? Bon, lui, il veut pas parler. Blup, 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 blup. Ok, d'accord. Bon, les gars, c'est pas frustrant, hein, voyez. Franchement, c'est vraiment cool à jouer. Ah, ah, alors, attends. Ouais, d'accord. Donc là, je reviens au début du jeu, finalement. D'accord, là, j'ai eu les deux diamants. Voilà, je les dépose ici. Ah oui, d'accord, donc là, on retourne au truc des plantes, là. Le truc était compliqué. Jamais fait Morrowind, j'ai commencé à sailler sur 3 Oblivion. Ouais. Mais il est bien, Oblivion, hein. En fait, Skyrim...
Il a été simplifié d'Oblivion, qui Oblivion lui-même a été un peu simplifié de Morrowind. Alors, ok. Ah oui, tiens, oui, là-bas, là. Bon, allez, on va retenter ce passage, les gars, là. Allez, pour voir, pour rigoler, là. Voilà. Bon, c'est très jouable, hein, franchement. Ah, merde. Faut juste être super réactif. Alors, mon Clément. Ah, bah, le Zach, j'ai pas de nouvelles, mais ouais, bah... Faut qu'il se repose un peu, là. Comment tu vas, mon Clément, là? Oh, putain. Oh, putain. Putain. Je vais laisser tomber cette zone, elle me casse les couilles. Bah, on va aller explorer en bas, du coup, là. Tiens, j'ai pas été à droite, là. Voilà, alors, allons voir de ce côté, là. Ouais, cette zone-là, elle est compliquée, les mecs, hein. Voilà, d'accord. Ok, ok. Ah, 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 ah. Oh là là, j'ai loupé les diamants. Ouais, parce que je voulais voir. Bon, ça va, on peut remonter facilement. Ouais, j'ai dit, ok, je vais pouvoir passer, mais non, en fait, hein. Alors. Voilà, procédons, les mecs. Ah, un petit truc. Ouais, donc, en fait, ce jeu, j'ai compris. On l'explore comme on veut. On récupère nos petits diamants. On peut se téléporter comme bon nous semble. Franchement, l'exploration, elle est super fluide dans le jeu, hein. Merde. Alors, après, ça pourra peut-être manquer d'intérêt pour certains, hein, peut-être à part... Récupérer des diamants, c'est peut-être pas suffisant comme idée de game design. Après, c'est à vous de voir, les gars. Alors, c'est toujours le haut du panier en action RPG. Ah bah oui, complètement. Ouais. Ça va au taquet pour la convention de polo. Ouais. Ah oui, c'est ce week-end, là. D'accord. Ouais, bah tu vas y aller, Clément, ouais. Alors. Je viens de refinir Oblivion, ouais. C'est effectivement en dessous, ouais. Oui, c'est en dessous, mais ça reste bien, hein. Je veux dire, bah comme tu dis, Harold, hein, c'est au-dessus certains jeux qui sortent actuellement, hein. Ça, on est d'accord, hein. D'où je meurs, là? Attends. Ah, ok. Bon, ça doit être du feu. Ah, c'est des pics. D'accord, c'est des pics. Ok. Oh, la vache. Attends, ah ouais. Attends. Mais non. Attends, il faut que je rebondisse sur les blocs verts. Oh, le level de hardcore, les mecs, là. Non. Non, attends, c'est pas possible. Non, on passe pas, là. Ah, voilà. Ok, fallait que je plane, tout simplement. Ok, ok, d'accord, c'est mieux, je préfère, là. Voilà, ok. Alors, salut, Otto. Ça vaut le coup de refaire Bioshock dans sa version remaster, ouais. Quand on est déjà l'original 3.6, ouais. Alors, moi, je les ai fait sur 3.6, Otto. J'ai pas les remakes remaster. Mais en tout cas, enfin... Merde. Ça peut être une bonne excuse pour refaire les Bioshock. Surtout le 1 et le 2, hein. Le 3, j'ai moins aimé, moi. Le Infinite, j'ai moins aimé. Parce que le gameplay, il est cassé, en fait. Merde, attends, faut bien doser, là. Moi, j'ai attaqué Skyrim, pas facile quand t'as jamais fait ce genre de jeu, ouais. Ouais, ah bah au début, t'es un peu perdu, hein. Mais tu vois, il est super immersif, Skyrim, hein. Skyrim, même aujourd'hui, ça reste une masterclass, hein. Alors, faut que je vous abandonne, mais c'est une chouette découverte. Merci, mon Gix, ça marche, mon Xian. Eh bah des bisous à toi. Puis tu repasses quand tu veux, bien sûr. Ah ouais, d'accord, on est revenu au début du jeu. J'ai fait un petit tour. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on a un petit checkpoint, là, pour déposer nos... Voilà. Hop, très bien. Prison en ruine. Voilà. Bah, le Infinite, en fait, le truc, c'est que on peut toujours avoir que deux armes. Déjà, j'aime pas trop ça, les FPS où on a que deux armes. Faut faire des choix. Et en fait... une fois que j'ai eu le lance-roquette et le lance-grenade, le jeu était terminé. Je n'ai plus jamais changé d'arme. La fille était toujours à côté de moi, dès que j'étais à sec, elle me donnait des munitions. Et voilà, point barre, et tu roules sur le jeu. J'ai halluciné, quoi. J'aimais bien l'ambiance et tout, y a pas de problème. Mais alors, le jeu, il est cassé, hein. Le jeu, il est cassé, les mecs, hein. Alors, allez à l'hôtel, tiens, on va... Alors, ruche machin... Tiens, ici, là. Allez, camp de base. Ça rappelle un peu le point de save d'Infernax. Ouais, ouais. Alors, il y a des trucs là-haut, là, mais je peux pas y aller. Bon, on va essayer un autre hôtel, là. Ah oui, il y a la zone rouge là-bas, là. La zone rouge. On va tenter la zone rouge. C'était difficile. Putain, la ruche, j'ai déjà 85, là. J'ai tout récupéré sur la ruche, là. Attends, faut voir. Ah ouais, la ruche, j'ai tout, les mecs. C'est un truc de fou. Twitch veut que je m'épile le pubis aujourd'hui. Ah bon? Bah Twitch a déconné en début de stream, alors j'ai relancé l'internet. Bon, ça a reparti, mais bon. Oh merde, quel con, je regardais le chat.
Alors attends, faut passer. Ouais, d'accord, c'est là et à gauche là. Voilà, oui, la zone de l'usine. Ah oui, voilà. Voilà, cette fameuse zone de l'usine là. Ouais, d'accord. Bon, allez, on va se concentrer un peu là. Voilà. Ok, Dax, pas passé. Oh, mon Steph, comment tu vas, mon Steph? Ah bah regarde, c'est un pur jeu pour nous, ça, mon Steph, là. C'est... T'as un bouton, tu sautes. Voilà, point barre, tu sautes, tu virevoles, c'est tout ce que tu fais. Gameplay minimaliste, un peu à la Céleste. Bah toi, t'es sur Céleste en plus, Steph. C'est un clone de Céleste, là, qui... Ce petit jeu, là. Alors, attention, là, on va se concentrer. Oh, merde. Ouais, là, c'est du mindfuck, là. Skyrim, c'est bien quand t'es habitué à ce genre de jeu, ouais. Tu vois les grosses ficelles, ouais. Le manque de suivi de quête, ouais, d'effet dans le monde, ouais. L'IA est au frais, casse un peu le trip, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais il a vieilli maintenant, hein, bien sûr, hein, le jeu. Hein. Enfin, surtout au niveau des combats, les combats, l'IA, bien sûr. Hein. Alors, voilà, hop, hop, hop. Ok, doucement, doucement, là. Voilà, doucement. Doucement, voilà, doucement, tranquille. Voilà, ok. Ah bah voilà, regarde, on est passé là. Hop, très bien. Très bien, top. Ah, des petits tapis roulants. Voilà, un platformer sans tapis roulant, ça n'existe pas. Ça roule, je termine l'écriture de la prochaine édition chaussette. Ah, c'est cool. Ouais, je vois ça, j'ai réussi à terminer Céleste. Ah, c'est cool. Me reste DLC à faire en stream. Céleste, tu sais qu'après, t'as les cassettes, hein. Faut récupérer les cassettes, t'as les faces B. T'as même les faces D, je crois. C'est hardcore, hein. Si... Moi Céleste, je l'ai pas fait à 100%, hein. Je l'ai terminé, mais c'est chaud, hein. Ça marche, Benjamin, bonne soirée, ouais. Euto, j'hésite, Bioshock Collection est à 15 balles. Là, elle est à 10 balles. Euto, sur Xbox, elle est à 10 balles, la collection. Elle passe souvent à 10 balles. Alors, je vais reposer ma question qui est passée inaperçue en mettant du chat. Qui va à la Pixel Days? Ah bah, pas moi, mon fixo, hein. C'est quand, d'ailleurs? C'est en avril, je crois, c'est ça. Ouais, il faudra bien que j'aille en Belgique un jour, un de ces quatre, quand même. Jamais foutu les pieds en Belgique, les mecs. Faut que je vienne goûter vos frites, les mecs. Pareil que vous faites des bonnes frites. Parce que nous, en Tunisie, les frites, c'est un peu random. Hein. Oh, merde! La fourmi, là. Ouais, la qualité des frites, aussi, ici, au bled, c'est pas constant. Hein. Non, ouais, il y en a un peu de joypad, mais c'est vite fait. Hein. J'ai mon pote Spout qu'on organise de temps en temps. Il a plein de consoles, plein de télé, tout ça, comme ça, Il amène son matériel. Mais je crois, je sais pas, ça fait un moment qu'ils en ont pas fait des... Ah merde, ah oui, tapis roulant qui allait pas dans la bonne direction. Je crois que ça fait un moment qu'ils ont pas organisé de convention. Alors, elle est cool ta vidéo de Guimou avec Ryu. Ouais, on s'est bien amusé à faire ça là. Parce que Guimou, alors il m'en a parlé, il est venu me voir, il m'a dit ouais tiens j'aimerais bien faire ça et tout. Bah je lui dis ouais mais tu sais moi je suis pas trop légite pour... Pour parler de nouveautés, hein. Il me dit non, mais il me dit justement. Il me dit c'est ça qui nous intéresse. T'as pas joué à grand chose, mais au moins ce que t'as fait, t'y as joué. Et puis, confronter un peu ta vision avec Ryu et tout. Bah, j'ai dit écoute, sous cet angle-là, d'accord, hein, y a pas de soucis. Surtout que, au niveau consommation de jeux vidéo, enfin, Ryu et moi, on est très différents. Hein. On est très différents. Hein. La version physique PS4, 15 balles, ouais. Ah, bah là, ouais, 15 balles, ça va, ouais. Ouais, si c'est du physique, d'accord. Parce que moi, quand je te disais 10 balles, c'était en démat, hein. Alors, ouais, les petites fourmis, il faut que je fasse attention, là. J'aime bien l'animation de notre petite nana, là. On dirait que... Ah, mais... Ah, bah ouais, ça change. Oh, le coup de pute. On dirait qu'on joue avec Link de Minish Cap. Il a un peu la même gueule. Bah, et la différence, c'est ça, ouais, ouais. La bière aussi, ouais, ouais, bah ouais, ouais, la bière, et moi je bois pas de bilou, je bois pas d'alcool, j'aime pas les gars. Quand j'avais mes calculs, ici, les toubibs, ils me disaient, ouais, faut que tu bois de la bière. L'effet mousse, ça dissout le calcaire. Bah, je dis, je veux bien, mais j'aime pas. Ah, bah, il me dit, prends, bah, vas-y au coca alors. Je tournais au coca zéro et je confirme, hein. Je confirme, ça marche, les gars. Ça accélère la dissolution de calcaire, là. Mm. Frites, omelette, fromage, le meilleur sandwich en Algérie, ouais. Ah bah oui, il y a ça aussi au bled, ouais, ouais, ouais. On a ça aussi, mon Riyad, ouais, bien sûr. Faut boire la bière et quelqu'un secoue sa mousse, ouais, c'est ça. Alors voilà, ramassons nos petits diamants. Oh là là, ouais, c'était moins une, là. Merde,
Celui-là, il va être compliqué à avoir, celui-là. Ouais, ça va. Oh, putain. Oh, putain. Ouais, ok. Allez, on le valide. Voilà, on l'a validé. Ok, oh, putain. Ces trois-là. D'accord, il faut y aller en biais. D'accord, comme ça. Ok, ça, c'est fait. Bah, il est cool, ce petit jeu, les mecs. Moi, j'aime bien. Moi, je l'aime bien, ce petit jeu. Diurétique, la bière, ça fait faire pipi. Bah, c'est ça, ouais. C'est pour ça que... C'est pour ça que quand on a des calculs, les toubibs, ils te disent bois de la bière, ce qu'il faut. Il faut boire, il faut boire, il faut boire. Il faut constamment que ta vessie soit remplie, en fait. Pour dissoudre le calcaire et puis évacuer tout le bordel, quoi. DJX, preuve que Nantes n'est pas en Bretagne. Ouais. Bah pourtant, mon Sylvain, les panneaux de... les panneaux à l'entrée de Nantes, c'est t'as bien le double langage. Hein. C'est écrit Nantes et c'est écrit Naoned aussi, hein. Ah oui, là-bas, là, Herbert. Ouais, pour les fans de platformer, les mecs, ça le fait, là. Franchement, ça le fait, hein. Ouais, là, le jeu, franchement, il est cool, hein. Ouais, puis là, franchement, c'est agréable à jouer. C'est pas frustrant pour un sou. Voilà, c'est dur, c'est difficile, mais c'est pas frustrant pour un sou. C'est très agréable à jouer, les gars. D'accord, donc là, j'avais déjà tout eu. Alors, fais voir ici, là. Oh là là, oh là là. Oulala, oula, oula, oulala, oulala. Ouais, bah là, je passe pas. Ceux qui boivent de la bière ne calculent plus rien de toute façon. C'est vrai. C'est vrai, mon Bruno, ouais. Bien vu. Ouais, d'accord. Alors, attends, oui, là, va falloir que je remonte dans le bordel, là. Ouais, ok, putain. Alors, attends, oui, d'accord. Hein. Oulala. Voilà, faut que je dose le. Voilà, faut doser les sauts, là. Ouais, ok. Oh merde. D'accord. Ouais d'accord, j'ai compris, il faut faire le tour. Oh putain. Oh ça va. Ils vont être compliqués à avoir ces diamants là. Voilà, ok. Je vais essayer d'aller les valider. Yes. Regardez les gars. Hop. Je peux... Alors attends. Je ne peux planifier qu'un seul gros déplacement, ouais. Alors, bah on t'attend. Tu viens Fixo ou pas cet été alors? Tu t'as annulé ou tu viens toujours là? Faut que tu viennes là. Je vais t'emmener au meilleur resto de Sfax là. Au pluriel. Ah putain. Ouais ça va être chaud là. Oh là là. Attends. Ah bah oui tiens. Ah bah non c'est pas là, attends. Salut mon Steph. Ouais là faut du skill, hein. Ouais là faut du skill les mecs, hein. C'est quand même tout con comme principe, hein, mais ça marche bien. Quand c'est bien maîtrisé. Oh là là, c'est pas mal. C'est pas mal ce que j'ai fait. Attends, je vais essayer de repasser par le bas. Voilà. Je vous laisse bonne soirée à tous et bibac. Oh putain, Moalf qui dit au revoir en mettant des cheers. Yes. Nouveau badge, 1 kilobits. Et ben voilà. Merci à toi, Moalf. Des bisous. Ça fait plaisir. Puis bah demain si tu veux. Oh là là, comment que j'ai dosé là? Comment que j'ai freiné pour choper le diamant? Alors le pluriel c'est juste le nom du resto, ouais. Ah non, même pas, non non. Non non, resto au pluriel, il y en a plusieurs. Ok, alors on va suivre le chemin là. Ah, il y a un petit panneau là. Ah, ça, ouais, je crois que ça nous indique un... Ouais, un petit animal, d'accord. Je vais voir un petit coup là. Bah il est cool. Il est cool ce petit jeu les gars. Il est cool. Franchement, il est assez addictif, hein. Ouais, ça marche, moi, Alpha. Merci à toi, des gros bisous. Ça, c'est partir avec panache. Ah bah, carrément. Bon, alors. Procédons, les gars. Hop. Ah, merde. Oh, putain, merde. Bon, alors, attends. Ouais, puis il n'y a pas de... Ouais, bah, si, regarde. Hop, on va passer par là. Voilà, on va ignorer. Voilà, fallait doser, là. Voilà, d'accord, l'animal. Voilà, animal sauvé. Rance le rat. D'accord, très bien. Oh merde. Oh, quoi que si, j'ai bien fait, comme ça je gagne du temps. Voilà, ok. T'es doué pour ce type de jeu, DG, ouais. Ouais, bon, c'est un peu d'expérience, hein, mais... Après, mais Céleste est dur aussi, hein. Mais pas au début, en fait. Céleste est ultra progressif, en fait. Voilà, faut bien doser, là. Oh, putain. Voilà, ouais. Donc, bon, oui, il faut de l'expérience quand même. Hein.
faut de l'expérience, mais ça va. Ça va, regardez, j'arrive quand même à bien progresser. Mais c'est vrai que, bon, je pense que le but du jeu, c'est de faire le 100%, hein, on va pas se mentir. Oh putain, j'ai tout eu one shot ici. Ah, alors attends. Ok, j'ai vu la pancarte. J'ai vu que c'était une tête de mort, mais trop tard. J'ai dit, tiens, il y a peut-être un petit animal en dessous. Bon, ça va. Bah, les gars, là, ça vous permet de voir une bonne partie du jeu, là. Voilà, comme ça, au moins... Oh, bah, s'il y en a qui sont intéressés, vous savez ce que vous achetez. Ce qui est bien avec CS, c'est la variété que les devs ont su amener à chaque nouveau chapitre. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, Steph, hein. Avec un gameplay à un bouton, la variété dans le level design, la variété dans le game design, la narration à Céleste, elle est excellente. Non, mais Céleste, c'est un bijou, hein. Céleste, c'est un bijou, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mon Steph, mais pour moi, Céleste, c'est une leçon de game design, hein. Les mecs, avec un gameplay, un bouton, mais voilà ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. C'est incroyable. Alors, tu parles de quoi, Descartes? De ce petit jubilé ou du Céleste, là? Céleste, il est incroyable, hein, franchement. Hein. Franchement, les mecs, c'est un truc de fou, hein. Le sous-sol de cette usine, c'est chez moi. Je n'ai pas découvert un seul hôtel, alors je peux pas partir de cet endroit maudit. Ah! Et lui, qu'est-ce qu'il dit, là? J'ai des choses pas jolies, jolies. Je suis peut-être la seule personne qui mérite d'être ici. Crois-moi, c'était pas facile. Ok. Oh, ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je me suis dit, tiens, ces trois-là, ils vont être tranquilles. Même pas. Oh, putain de sa mère. Voilà, c'est bon. J'ai adoré la narration aussi. Ouais, ils ont réussi à parler de la dépression de manière bien plus subtile que dans Hellblade. Ouais. Ah bah oui, c'est différent. Ah, c'est différent. Et Céleste, il a dû coûter moins cher, mon Steph. à faire. Oh, la violence, là. Oh là là, la violence. Oh, la violence. La violence du passage, là. Ah, du coup, mon Steph, tiens. Voilà, en tant que ancien journaliste, player, okay. Combien tu mettrais à Céleste en note? Voilà, si tu y mets une note. Oh, la violence, les mecs. En pourcentage, là, comme un player dans le temps, là. Moi, je lui mets un... Oh, mais non, mais on passe pas en bas. Hein. Moi, je lui mets un bon 95. Franchement, Céleste, un bon 95. Hein. C'est digne d'un stage de psychopathe à Mario. Ouais, c'est ça, Fixo, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, salut, mon carac, hein, bis à toi. Non, je vais me téléporter, je pense. Attends. Je vais me re-téléporter, là. Voilà, on va retourner là. Chaîne de montage de l'usine. Voilà, d'accord. On va essayer d'en voir un peu plus, là. On va pas bloquer sur des passages hardcore. Oh, putain, merde, bye. Attends, ouais, ok. Est-ce que j'étais à gauche, là? Ouais, justement. J'ai pas... Voilà, on va explorer à gauche un peu. Alors. Toc. Ouais, alors, ces putains de tapis roulants. Oh, merde! Putain de tapis roulants là qui font chier. Ouais, faut speeder là. Ah merde, j'étais un peu short. Ouais, c'est quand même chaud. Mais ça, regarde, ça se fait vite, hein. C'est vraiment du die and retry plateforme. C'est vraiment pas frustrant à jouer, hein. C'est dur, mais c'est pas frustrant. Doucement, doucement, doucement. Ah, putain de sa mère, j'ai trop traîné là. Alors. À la louche, un bon 96. Ouais, tu vois, on est pas loin. Je l'ai pas lâché jusqu'à la fin. J'ai hâte de faire les chapitres DLC en stream. Ah bah écoute, tu vois. Là, mon Steph, ça fait plaisir. Et toi, j'avais dit 95. Tu mets 96. On est pareil, quasiment. Mon Guibrouche, comment tu vas, mon Guibrouche? Allez, procédons. Ouh là là, ouais. J'ai pris des risques, mais je suis passé. Ouah, le mini bout de plateforme, là. Ah, merde. J'ai pas eu le temps. Ouais, c'est chaud, là. Oh, putain, c'est chaud, là. On va peut-être passer sur un autre passage. Ouais, ce qui est bien, du coup, avec les hôtels, on se téléporte comme on veut. Du coup, voilà, si on a un endroit qu'on est bloqué, on... Oh, la violence. Oh, la violence, les mecs. Eh, me dis pas qu'il faut que je revienne. Non, ça va, ils nous ont mis un checkpoint. Non, ça va. Bam, ok. Oh, putain. Oh là là. Alors t'en penses quoi, mon DG? Ah, il est cool. Iceman, j'aime bien, hein. C'est vraiment addictif.
Ah voilà, donc là on revient au début du jeu. Voilà, d'accord. C'est vraiment addictif, hein. Ouais, ouais, moi j'aime bien, hein. Franchement, les gars, j'aime bien, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Puis tu peux y jouer en mode casu, tranquille. Poser tes gemmes, ouais, bah ça, il nous l'a dit déjà. Voilà, ok, alors. Hein, tout à gauche, là-bas. Ah bah oui, c'est le crâne. Eh, mais ça... Ah, attends. Attends, mais ah oui, je pense qu'il faut un certain nombre de gemmes pour ouvrir le crâne et ça se trouve se barrer. Ouais, bonne chance, voilà, ok, très bien. Ouais, c'est Peach, oui, ça ressemble, on dirait Peach, ouais. Mais non, mais c'est carrément Peach, les mecs, hein, on est d'accord. Hein. Alors. Ouais, fais voir, lui. Ouais, non, mais ça s'ouvre... ça s'ouvre avec un certain nombre de diamants, ça. Alors, on va... alors, aller à l'hôtel, voilà. Du coup, on va se téléporter ailleurs. Tiens, ici, là. On va essayer d'aller un peu plus haut, là. On va essayer d'explorer un peu l'eau. Tiens, j'ai chopé Bloodstain à 10 balles sur Steam, ouais. Alors, c'est lequel, Bloodstain, Steph? Parce que des Bloodstain, il y en a plusieurs. T'as le Ritual of the Night qui est en 2,5D. Sinon, t'as les Curse of the Moon qui sont les 8 bits, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, faut pas que je touche les... Faut pas que je touche les insectes. Voilà, d'accord. Allez, on dose, là. Voilà, ok. Voilà, tranquille. Ah, il y a un petit animal pas loin. Oh là là, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Si, peut-être faut que je maintienne le bouton enfoncé. Oh, la violence. La violence, les mecs. Ah, ça va, j'ai eu l'animal. Ritual of the Night, ouais. Design graphique, plais-moi, ouais. Ah ouais, mais il est pas mal. Il est bien, Steph, tu vois. C'est un bon Metroidvania, hein. C'est Igarashi qui l'a fait, hein. C'est un peu la suite spirituelle de Symphony of the Night. Ça vaut pas Symphony of the Night, mais il est bien. Elle a la robe de Falbala dans Astérix. Ah ouais, j'avais pas remarqué, ouais. Mine de rien, t'as quasiment torché à moitié du jeu en 3 quarts d'heure. Ouais, c'est pas faux, peut-être Nigel, faut voir. Animaux sauvés, 3 sur 8. Page secrète, 0 sur 5. Mort, 86. Temps de jeu, 52 minutes. Gemme, 420 sur quasiment 1000. Donc pas loin de la moitié, effectivement. Ah, passage secret, les gars. Ça m'emmène où, là? Ah, ok. D'accord. Alors, attends. Ok. Mais me dis pas que j'ai exploré toutes les zones, là. Non, il y a une autre zone, là-bas. Là. Attends, allez à l'hôtel. Ouais, ici, là. En hauteur, apparemment. Alors, je vous laisse. Ça marche, Nabette. Ouais, bis à toi. Salut, gros Clodo. Comment tu vas? Ah oui, c'est vrai, ici, là. Oh là là, oui. Ouais, là, ça va être compliqué, les mecs, là. Allez, on va tenter un petit peu. Voilà, 19h05. Ouais, je vais essayer encore un petit peu, 5 minutes. Puis on arrêtera le stream, là. Je veux pas non plus trop vous spoiler pour ceux qui voudraient découvrir le jeu. Oh, merde. Ouais, d'accord. Alors, ouais, on va faire quelques trails ici. Puis voilà, on arrêtera le stream, ici. Ouais, d'accord, faut que je prenne le... Attends. Ouais, ils vont se recharger tout seuls. Voilà, d'accord. Mais il est cool. En tout cas, j'aime bien, hein. Franchement. Un bon petit jeu bien sympa. Voilà, faut se manier là. Voilà, voilà, ok. Oh, putain de sa mère. Oh, putain. Ah ouais, ouais, ça va vite, hein. Les gars, dans le gameplay, ça me rappelle un peu Wiz & Lee sur Amiga. Amiga et Mega Drive, hein. C'est un peu la même nervosité de gameplay, quoi. Wiz & Lee, c'est plus speed, quand même. Mais c'est un peu pareil, je trouve. Allez, j'aime ces bruits de pièces de Mario, je me pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais, c'est carrément les bruits de pièces, hein. Ok, doucement. Alors, doucement, là. Hop. Voilà. Et ce que je fais valider ces gemmes, là. Allez. On va les valider, là. Voilà, on va aller les déposer dans le bordel. Voilà. D'habitude, c'est pas trop mon trip, genre jeu, ouais. Mais celui-là a l'air pas mal, ouais. Par contre, la vue lointaine, j'aime pas trop, ouais. Ouais, mais ça... c'est le genre de jeu, l'archer, c'est fait pour être joué sur une grande télé, hein. J'allais dire, bien nerveux, c'est stressant, le gameplay. Ah oui, gros Clodo, oui. Non, le gameplay, il est réactif, hein, y a aucun problème. Il est précis et tout, y a aucun problème de jouabilité, mais ouais, c'est bien speed, hein. C'est bien nerveux quand même, hein. Mon Tsubasa, comment il va, mon Tsubasa, le dieudin? Ça va, les gars?
Allez, 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 allez. Alors, essayons d'en voir plus. Voilà. D'accord, ok, allez. Hop, hop. Ouais, voilà. J'allais dire, donne-moi un petit checkpoint. Oh, bordel, Yepik. Oh, sa mère, oh, sa mère. Attends, attends, doucement, doucement, là. Doucement, voilà. Moi, j'aime ce genre de jeu, c'est tout à fait mon genre. Ah, bah, Jérôme, voilà. Voilà, mon Jérôme. Oh, merde. Je vais tenter de récupérer le... Voilà, le petit diamant. Hop, là. Oh, putain, c'est short. Voilà, on va le déposer, c'est bon. Alors, j'y ai bonne fast stream. Ça marche, mon Star Fox. Bise à toi. Merci d'être passé, comme d'hab. Oh, putain. Ouais, là, il y a les quatre côtés, d'accord. Ouais, là, il va falloir doser, là. Oh, putain, j'ai dit je vais le prendre, j'étais trop court. Mais non, c'est passé. D'accord, ok. Voilà, ok. Donc, tout est question de timing. Voilà, alors. Allez, gigo, mon gramine, ça nourrir, bonne soirée. Ça marche, mon larcher. Ça marche. Bah, de toute façon, je pense qu'on va arrêter là, les gars. Hein, voilà, on a fait... je vais pas tout vous montrer. Bah, on a... Ouais, ouais, on a bien avancé, quand même, là, hein. Mais il est cool, il est cool, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit... ce petit jubilé? J'aime bien, c'est assez rafraîchissant. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bouge pas, hop, là, je vais enlever la transparence. Voilà. Et on va regarder si on peut faire un petit raid. En tout cas, t'es meilleur qu'à Super Tennis. Ah bah là, y a pas photo. Y a pas photo, mon Jérôme. Alors, belle démo de skill en tout cas, ouais. Bah, ça va, ouais, Nigel, tu vois, le... Ça s'est bien géré. Ça s'est bien géré, ça va. Mais il est pas frustrant, hein, tu vois, je mourrais, on reprend à côté, dans la foulée, c'est cool. Bon, petit jeu, merde. Ouais, non, il est costaud, les mecs, hein. Je confirme, ouais, ouais. Pas mon style, j'ai pas assez de skill. Bah, au moins, les gars, voilà. Bah, toi, moi, SNKM, là, vous avez eu une démonstration du jeu, hein. Donc, maintenant, bah, à vous de... Voilà, à vous de voir, hein, en fonction de votre skill, tout ça. Ah, merde, j'avais laissé le volume assez bas, là. Bon, j'espère que vous avez bien entendu la musique quand même. Voilà, c'est pas très grave. Alors, on va voir si on peut faire un petit raid. Je pense qu'il y aura notre Moa en train de streamer peut-être là. Ou Marco Cuto, je pense, on va voir. Alors, oh bah tiens, on a notre ami Geoffrey, la tablée gauloise là. Allez, il joue à Blasphemous les mecs. Ah c'est cool. Allez, on reste dans le style pixel art comme ça. Voilà. Bon bah les gars, voilà, je vous envoie chez l'ami Geoffrey, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne app, et puis rendez-vous demain, bah, comme d'hab, hein. Même endroit, même heure, Twitch, 18h, j'ai pas encore décidé ce qu'on va faire demain, mais du rétro, je pense. Oh, oui, bien sûr, on va revenir aux bases, hein, on va revenir aux bases, les gars. Voilà, c'est bon, c'était ok le son? Bon, super, les gars. Bon, allez, je vous envoie chez l'ami Geoffrey, bis à tous, bonne soirée, les enfants, et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.